Allez, contact, on se tire. Hop, merde. Oh. T'es sûr qu'elle marche bien ta bagnole? T'appuies sur le frein? Oui, j'arrête pas. Ouais, c'est bon, c'est parti. Tu sais combien de films t'as tourné? Dans combien de films t'as tourné? T'as rien oublié, hein? Non. C'est le film que j'ai oublié. Non, j'ai tourné dans, je sais pas du tout. Avec les télés, j'ai dû en faire une centaine. Plus que ça. Non, pas tellement. C'est Galabru qui disait, on devait dire, vous avez tourné dans 200 films. Il dit, oh, j'ai pas tourné dans 200 films. J'ai tourné 2 jours dans 200 films. Un jour, j'arrive sur un film et j'arrive le matin au maquillage. Il y a Michel qui me fait, il était là, Galabru, il me fait, ah, toi aussi, t'es dans cette cagade. Et puis alors après, sur le tournage, avant d'arriver à tourner, je dis à Michel, dis donc, excuse-moi, mais ça parle de quoi le film? Parce que j'ai pas lu le scénar. Et Michel, il me fait, et comment tu crois quand je travaille, moi? Ouais. Faut voir aussi, vous avez tourné aussi sur des films où vous lisez le scénar. Ah bah oui, il y avait des films intéressants quand même. Fix Story, t'as lu le scénar. Enfin, oui, il y a des bons films, on a tourné. Genre. Mais il y avait des trucs comme ça, c'était des... Bon, on appelait ça faire des ménages. On allait gagner des sous. Hein. Et en plus, je vais te dire, très franchement, beaucoup de ces films, je regrette pas de les avoir faits parce que je me suis bien marré dessus. Ouais. Tu vois, il y en a un qui était pas génial, mais qui était quand même honnête, qui restait honnête. Et bien, on se retrouvait une bande de copains à plusieurs. Comédiens, on se connaissait tous, tu vois. Et on passait 4-5 jours à tourner sur des films, on se marrait, on s'amusait, quoi. Alors. J'avais remarqué un truc, c'est que c'était la brute qui m'avait montré, que j'avais en l'observant, là, c'est quand tu tournais un film médiocre, quand Galabru arrivait dans le film, sur l'image, le film devenait bon, parce qu'il était intéressant à voir. T'étais là aussi. Oui, bien sûr. Mais tu n'estimes pas, papa. Non, mais je veux dire que si tu joues à fond le film, en fin de compte, tu te déshonores pas, tu vois. Bien sûr. Monsieur, on tire ici. Mais dites-moi, monsieur, j'ai là monsieur Laurent de Maison. Oui. Oui. Alors, il a un découvert de 172 francs 42 et il voudrait tirer 200 francs. Oh, écoutez, Donald, vous me dérangez. Pour... Oui, je sais, monsieur, je sais. Non, mais il s'agit de Laurent de Maison. Oui. Le plombier. Ah, oui. Mais il fallait dire tout de suite. Bon, faites-le venir à mon bureau. Malheureux, mais. Travailler tranquille, alors. C'est un métier, on est débordé. Sur un rôle entier, tu dois être, toi, ta propre vérité. Et les acteurs sont faits pour être oubliés, leur gloire n'est que de leur vivant. Mmh. Tu vois? Mais bon, c'est pas... Et chaque génération amène ses acteurs nouveaux, parce que chaque génération a besoin de créer ses propres idoles. C'est vrai. Moi, je sais que maintenant, quand j'arrive sur un tournage, on me regarde comme si j'étais une... comme un objet préhistorique, tu vois. Non, c'est vrai. C'est vrai, hein. Des fois, j'ai l'impression qu'on me demandait si ma femme s'appelle pas Lucie, tu vois. Henri Guimet. Je ne connais pas. Enfin, j'arrive. Vous savez que je ne résiste jamais au plaisir de vous voir.